Bienvenue sur Ficamia pour cette capsule consacrée à l'énergie associée aux différentes transformations nucléaires, plus simplement énergie nucléaire. Alors, quelle que soit la transformation nucléaire, que ce soit une désintégration, une fission ou une fusion, ici vous avez représenté, vous l'avez reconnu, une fission. La fission de l'uranium, d'un noyau d'uranium 235 par un neutron, qui donne un noyau de xénon et de strontium et deux neutrons. Eh bien, quelle que soit la transformation nucléaire considérée, il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est que nous avons une perte de masse, à savoir le fait que la masse des produits, ici de l'ensemble du xénon, du strontium et des neutrons, est inférieure à la masse de l'ensemble des réactifs, à savoir ici la masse du noyau d'uranium plus la masse du neutron. Et le fait que la masse des produits soit inférieure à la masse des réactifs va conduire à ce que l'on appelle un défaut de masse. Le défaut de masse que l'on écrira comme étant égal à delta M, différence de la masse des produits et de la masse des réactifs. Le point essentiel, c'est que ce défaut de masse va se traduire par une variation d'énergie du système. Et cette variation d'énergie du système va pouvoir être écrite, après les travaux d'Einstein en 1905, comme le produit du défaut de masse que multiplie le carré de la vitesse de la lumière dans le vide. La vitesse de la lumière dans le vide en mètres par seconde, la variation de masse, le défaut de masse en kilogrammes, pour donner au final la variation d'énergie du système dans l'unité internationale, à savoir le joule. Alors, une petite précision par rapport à cette équation. Le défaut de masse, comme tout défaut, va être négatif. Dans la mesure où la masse des produits est inférieure à la masse des réactifs, le défaut de masse, delta M, est ici négatif. Ce qui implique que la variation d'énergie du système est elle aussi négative. Du point de vue du système, le système voit son énergie baisser. Autrement dit, il perd de l'énergie. Mais si le système perd de l'énergie, c'est que nous, milieu extérieur, en avons gagné. Autrement dit, on pourra écrire que l'énergie libérée par une transformation nucléaire est égale à l'opposé de la variation d'énergie du système, ou alors, comme on le voit fréquemment, à la valeur absolue de la variation de masse du système que multiplie le carré de la vitesse de la lumière dans le vide. Pour résumer, quelle que soit la transformation nucléaire que vous avez à considérer, si cette transformation nucléaire est spontanée, et pour la plupart des fissions c'est le cas, des fusions et des désintégrations radioactives, eh bien nous avons une perte de masse quand l'on passe des réactifs aux produits. Cette perte de masse se traduit par un défaut de masse, et ce défaut de masse va se traduire par une énergie libérée pour le milieu extérieur, énergie libérée donnée par la fameuse relation d'Einstein, delta M c carré. À très bientôt sur Fikemia.